Salut bande de ploucs, suceur de placenta avarié. Plagier Antoine Daniel, t'es sûr que ça passe? On la refait? Ouais. Yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau jeu IKEA en def. Il faut savoir si c'est un meuble IKEA ou un groupe de death metal. Ah non, pas Squeezie. Il y en a qui disent que le Hellfest, c'est genre qu'une tripotée de buveurs de bière et c'est un festival satanique. Pas vrai! Putain, Théo, t'es insupportable. Dans le système YouTube, les vidéos métal sont considérées comme particulièrement peu nombreuses. À Nantes, deux youtubeurs de la cause Hellfest, pas franchement fut-fut, sont membres d'une émission appelée Make It Loud. Voici leurs histoires. Je suis pas si sûr, là. C'est perdu en route, je crois. Ouais. On envoie le générique ? Ouais. Générique. Tout d'abord, merci de regarder notre émission. Nous n'avons jamais été aussi riches depuis que nous faisons plus de 400 voire 500 vues par vidéo. 500 vues, oulala, ouh. Comme vous pouvez le voir, nous avons atteint les 0,39$ de bénéfices grâce au visionnage de nos vidéos. C'est incroyable. On voit notamment ce pic fantastique de près de 11 centimes glanés après notre vidéo sur Slipknot. Autant dire que ce jour-là, on a célébré l'événement comme il se devait dans les locaux de Make It Loud. C'est qui est star YouTube maintenant? Plus sérieusement, merci à tous de regarder nos vidéos, ça nous fait chaud au cœur. Bref, aujourd'hui rendons-nous sur la Warzone pour vous faire découvrir un groupe qui n'est ni du hardcore burné à la Strife ou encore du punk prolo à la Ludwig von 88. Un groupe qui s'est déjà produit au Hellfest en 2012 mais qui reste encore cette année un immanquable, un incontournable de cette édition 2016 du Hellfest. Mesdames, messieurs, Refused. Après le coup de pied monumental infligé par le groupe lors de l'édition 2012, il nous semblait évident, voire même nécessaire dans les locaux de Make It Loud, de vous présenter cette formation venue tout droit d'Umea en Suède et qui possède un son totalement différent des formations hardcore actuelles. Refused s'est formé en 1991 autour du chanteur Dennis Lixen, des guitaristes John Brandstrom et Christopher Steen, du bassiste Magnus Ogrin et du batteur David Sandstrom avec un objectif clair et simple, redéfinir le punk et le hardcore en prenant une direction totalement différente des autres groupes du même genre, le rendant unique et balançant l'auditoire dans l'incapacité de trouver un groupe au son similaire. Le groupe balancera 4 démos entre 1991 et 1994 avant de sortir leur premier scud, This Might Just Be The Truth. Une production qui ne restera pas dans les annales du groupe puisqu'il reste un album de trashcore assez traditionnel en soi, Refused en fait cherchant encore le son à l'époque qui va le définir comme l'un des groupes les plus importants de la scène hardcore à tout jamais. En 1996 marque la sortie de Songs to Fan the Flames of Discontent et enfin on commence à reconnaître petit à petit ce son original. Refuse commence enfin à se trouver lui-même mais malheureusement l'album n'aura pas la popularité méritée, repoussant le succès critique de Refuse à l'album suivant et Dieu sait que beaucoup de gens savent de quel album je parle. 1998 restera gravé comme l'année quand on a gagné la Coupe du Monde. Premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Mais non, 1998 marque surtout la sortie du troisième album de Refused, The Shape of Punk to Come, désormais devenu indispensable pour tous les fans de punk hardcore. Mais on l'a déjà mis en début d'émission. Ta gueule Maxime, cette chanson elle est beaucoup trop bonne pour qu'elle soit jouée qu'une seule fois dans cet épisode. Bref. The Shape of Punk to Come, c'est l'album qui a fait la gloire et le respect éternel des fans envers Refused. Très engagé politiquement, cet album sera la pierre angulaire de l'œuvre de Refused. À la limite d'être l'album géniteur du mouvement post-hardcore, ce qui marque dans cette production, c'est définitivement l'utilisation de synthés faisant dériver le son du groupe dans l'industriel hardcore, ajouté avec cette voix définitivement maîtrisée, forte et assez au perché de Dennis Lixen. The Shape of Punk to Come est un brûlot politique violent, les guitares y sont plutôt simplistes tout comme la basse, mais c'est clairement et définitivement la batterie qui donne toute l'intensité
sensibilité à cet album. Refuse joue avec nos nerfs sur cet album proposant, et c'est leur spécialité, une violence parfois retenue avec ses influences jazz, donnant presque parfois un ton ironique à certains des morceaux. Et parfois, au beau milieu d'un morceau, un déluge assourdissant provoqué par une batterie en feu et des guitares poussées dans leur retranchement. Refuse est clairement engagé d'un point de vue politique, certains leur reprochant même cette attitude, certains les trouvant carrément prétentieux. Mais il faut s'y faire, le groupe est clairement dans une tendance anarcho-révolutionnaire socialiste. Le chanteur prend également plaisir à enfoncer les gouvernements pour leurs erreurs passées. Ou encore insulter le capitalisme moderne. Au moins, ça vous fera de bons sujets de discussion pendant le concert. Eh, c'est cool Refuse, hein. Ouais, grave. C'est vrai que le groupe a des idéaux socialistes, voire anarcho-révolutionnaires. Intéressant. Ouais, ils sont très engagés contre le capitalisme, le gouvernement, tout ça. Cool. Trouve pas ça difficile de concilier des idées anarchistes avec le fait de jouer dans des gros festivals comme ça? En plus, ils sont straight edge, pas le droit de fumer, boire et baiser, ça doit être chiant. Salut! Mais tu savais que le jour de la sortie de l'album, pour fêter ça, le chanteur a décidé de se faire une bonne raclette? Eh? C'est cool Refuse, hein? Refuse, bien trop préoccupé par ses engagements politiques plutôt que par sa musique, se sépare en 1998 sans réellement avoir goûté au succès de cet album. Mais cette disparition va permettre à cet album de vivre son petit bout de chemin et d'être finalement érigé comme un monument de la scène hardcore. Heureusement, 2012 sera l'année du clavier qui colle pour de nombreux fans. Puisque Refused annonce son retour sur la scène avec une présence à de nombreux festivals comme le Hellfest ou encore le Download Festival, toujours sur des slots horaires clairement destinés aux grosses formations, preuve qu'avec un seul album, bah on peut tout déchirer avec facilité. Malheureusement le groupe décide de ne pas continuer sur la lancée qu'il s'était donnée et il faudra attendre 2015 avec la sortie de l'album Freedom, pas réellement prévu par les fans. Suivi d'une tournée européenne fin 2015, notamment un passage à Paris au Bataclan. Un album en demi-teinte selon la critique, puisque certains affirment que Refuse s'est perdu en cours de route, alors que les plus hardcore fans de Refuse affirment qu'il est la suite logique de The Shape of Punk to Come. Quel que soit votre avis sur cet album, Refuse des deux retourne cette année au Hellfest et ça fait du bien. C'est original, c'est intense, c'est engagé, c'est Refuse et ça passera dimanche soir sur la Warzone. Super! Directive du CSA oblige, soi-disant qu'on n'a pas assez de femmes dans notre émission. Bah voici Victoria, hein, votre dose de vagin quotidienne dans notre émission. Bah merci Victoria. Maintenant tu vas aller nous faire à manger, hein. Les hommes travaillent, les hommes ont faim. Oh, je veux de la nourriture. Voilà, hein. Au cuistot, hop hop hop. Hein. T'es sérieux le cure dans la casquette là? Pauvre con. La puissance des couilles, hein. Hein? Alors, les blagues misogynes, c'est bon. Les blagues homophobes, c'est bon. Les blagues dégueulasses, c'est bon. Tiens, on n'a pas fait les blagues beaufs. Max? Ouais? T'aurais un Godmiché avec toi là? Ah, on présente Twisted Sister finalement? Non, bon, rassurez-vous, on adore la gente féminine à Make It Loud, rassurez-vous, hein, on est très respectueux des femmes. D'ailleurs, on va vous présenter un groupe qui s'appelle Winhen et dont la chanteuse en fait est simplement une femme. Je sais, c'est assez incroyable, une femme qui chante encore à notre époque. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Après ce déferlement de misogynie, le groupe Winhen a refusé de venir en France, de peur de croiser les membres intolérants de Make It Loud. Direction désormais la vallée avec ses épais nuages de fumée plus ou moins illégaux pour vous présenter Winhen, la petite claque doom de cette édition 2016 du Hellfest afin de terminer cet épisode de façon légère. Oui bon, je sais, du doom, de façon légère, c'était
bon, eh oh, ah, oh. Oh, eh, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon... Winan a vu le jour en 2009 à Richmond, dans l'état de Virginie, aux États-Unis bien sûr, et il est temps de faire un point line-up. Le point line-up. Le point un peu chiant où il faut citer les noms des membres du groupe que même toi, au meilleur de ta forme, tu te souviendrais même pas, mais il faut le faire, sinon on va dire qu'on fait mal notre travail. Lol. Le groupe se compose donc de Jean-Luc Mélenchon au chant, Noël Mamère à la guitare... Non, bon, je déconne. Plus sérieusement, le groupe se compose donc de Dantia Coltrell aux vocaux, Azetia Bogdan à la guitare, Gareth Morris aussi à la guitare, Parker Chandler à la basse et Ryan Wolf à la batterie. Oui, je sais, moi-même ça m'a choqué à la première écoute, c'est bien une femme qui chante et non un homme, malgré le fait que cette voix ne soit pas réellement féminine. Bien dormi ? Ouais, et toi ? Mais qu'importe, ça n'enlève rien de la mystique et de la superbe qu'insuffle Dantia Coltrell aux compositions soignées du groupe. Winan a sorti son premier album en 2012, intitulé Winan, tout simplement, et ce petit album s'est taillé une bonne réputation dans le monde underground du doom metal. Si Winehen a choqué son petit monde, c'est tout simplement par la qualité de ce premier album seulement 3 ans après la formation du groupe. Un album aux multiples influences comme Acid King, Electric Wizard ou même Black Sabbath, révélant un son lourd, forcément, lent mais pas pour autant emmerdant à écouter sur la longueur, et des voix stratosphériques, tout comme les solos de guitare disséminés ici et là sans jamais trop en faire. Winehen revient en 2013 avec le deuxième album intitulé Soma, un album qui ne fera pas l'unanimité malheureusement étant donné que le son du groupe n'arrive pas à s'extirper des autres productions doom de l'époque. 2015 sonne le retour de Winehen avec la production du troisième et dernier album en date intitulé Griff's Inferno Flower sur le label reconnu Relapse Records et... Relapse, je vous aime bien, hein, mais avoir Dying Fetus, Peak Destroyer ou encore Toxic Holocaust, c'est cool, c'est stylé, mais vendre des t-shirts directement sur le clip vidéo... Non mais sérieux, quelle honte de vendre ces produits comme ça, franchement. Nous vous rappelons que le t-shirt officiel de Make It Loud est disponible encore sur notre boutique officielle pour seulement 35€, frais de port offerts, et que des bonbons pèses sont encore disponibles, 20€ pièce sans la recharge. Eh hey, vas-y, on pèse dans le game, lol. Y'a vraiment des débiles qui achètent notre Kaamelott? Et nous vous rappelons que le God Michet officiel Make It Loud est toujours disponible avec voix incorporée pour redécouvrir les meilleurs punchlines de l'émission. Quoi, Slipknot? C'est du nu metal? Mmh, oh yeah! Bref, comme nous vous le disions, Winehen revient en 2015 avec leur troisième album, Griff's Inferno Flower, produit par Jack Endino, notamment producteur de Bleach, de Nirvana ou encore de groupes cultes comme Soundgarden ou Iron Fire, et cette fois-ci, Dantia Coltrell arrive à faire la chose que nous attendions tant, à savoir ne plus être la troisième roue du carrosse dans ce son sinistre. Cette dernière arrive à enfin modeler les morceaux à sa manière, avec une voix définitivement mise en avant. Le reste du groupe, quant à lui, fait le boulot et celui-ci se permet même de s'offrir une somptueuse balade folk pour conclure son album après nous avoir assommé d'un morceau hypnotique de 14 minutes, alternant parties lourdes et parties légères avec autant de brio, ça mérite d'être souligné. Voilà, Make It Loud, c'est terminé. On espère qu'aujourd'hui vous avez fait des petites découvertes et que ces groupes seront dans vos prochaines playlists. En attendant un nouvel épisode, on vous remercie de nous suivre évidemment et forcément, vive le rock'n'roll. Eh, c'est cool Refused, hein. Can you feel my love?